L'association marocaine des droits humains s'occupe de la défense des droits humains, surtout, que ce soit les droits économiques, sociaux, en fait, toutes sortes de droits humains dans le cadre des chartes internationales des Nations Unies des droits humains. C'est l'une des plus vieilles associations au Maroc et actuellement, avec ce qui se passe au Maroc, c'est l'une des associations qui a subi beaucoup d'oppression récemment. Et ici, on est présent à la fête du Luma pour, dans le cadre aussi de notre action en Europe et notre réseau à Paris et aussi à Bruxelles et d'autres, d'autres pays européens est un échappatoire. C'est aussi un bol d'air qu'on essaie de respirer en essayant d'agir pour la cause des droits humains au Maroc. En tant que Marocains, nous sommes bien conscients de notre identité avant tout africaine. Et on est bien conscients que, le seul développement possible et naturel du Maroc ne peut se faire qu'en Afrique, avec nos confrères, nos concitoyens africains. Sauf que la façon dont on voit l'immersion du Maroc dans les affaires africaines et son expansion économique d'un autre œil, parce que nous voulons du bienfait pour le citoyen marocain, mais nous voulons que ça ne pénalise pas et que ça n'impacte pas négativement aussi les citoyens africains. Nous voulons un partage équitable des richesses sous une justice équitable et que, communément avec nos confrères africains, on se débarrasse un peu du despotisme hérité du colonialisme.